Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce dernier week-end de janvier. Aujourd'hui, on a eu un beau samedi, même si le temps s'est montré un peu changeant, avec des passages nuageux parfois nombreux au nord de la Martinique. Pour la soirée et la nuit prochaine, le temps restera variable, avec un risque d'averse qui restera très faible. Regardez, il fera 22 à 23 degrés sur les reliefs du nord, et puis 25 degrés sur les Trois-Îlets ou encore sur Sainte-Anne. Demain, dimanche, le temps s'annonce calme avec un ciel qui alternera entre passages nuageux et belles éclaircies. Le thermomètre affichera 23 degrés sur Grand-Rivière, ça sera 21 degrés sur le Morne-Rouge, 24 degrés sur Trinité et jusqu'à 27 à 28 degrés sur Fort-de-France et le François. Les vents de cette journée dominicale souffleront faiblement avec des rafales proches des 20 km/h et la mer s'annonce agitée avec une hauteur de vague de l'ordre des 2 mètres pour le littoral atlantique. Néanmoins, elle sera belle avec 70 cm de creux pour la mer des Caraïbes. Passons maintenant à la tendance pour débuter ce mois de février. Eh bien, lundi, ça sera une journée plutôt agréable avec un soleil qui brillera généreusement. Les températures seront homogènes avec 29 degrés, sauf sur l'extrême nord de l'île où on sera plutôt aux alentours des 22 degrés. Pour mardi, c'est une météo calme qui est au menu avec un ciel faiblement nuageux. Le mercure affichera entre 20 et 26 degrés. Mercredi, c'est un temps changeant qui nous accompagnera tout au long de la journée avec par moments de petites averses. Et côté température, il fera 23 degrés sur Grand-Rivière et 26 à 27 degrés sur le reste de l'île. Enfin, jeudi, le temps sera mitigé et les nuages seront nombreux avec un risque d'averse assez faible, mais cela restera à confirmer lors de nos prochains bulletins. Demain, dimanche 31 janvier, on fêtera les Marcelles et la pleine mer est prévue pour 7h09 et 16h02, la basse mer pour 10h08 et le soleil se lèvera à 6h32 pour nous quitter à 18h03. Et ce dimanche, le temps mitigé de la matinée laissera place à l'arrivée d'une légère brume de sable au cours de la journée. Ainsi, les particules fines contribueront avec l'ozone à déterminer une qualité de l'air moyenne pour la journée. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Très bonne soirée à vous et à demain.